je rentre dans ma 8e année à l'INSEP. Après, je ne suis pas interne, donc je suis un peu coupé du truc. J'ai mon appartement à Villiers-sur-Marne. Et franchement, ce que j'apprécie à l'INSEP, c'est sa globalité. Hein. Ce mélange de sportifs, ce mélange de culture aussi. Et cet esprit un peu famille qu'il y a entre les sportifs ici. Ça va Mathilde? C'est Mathilde qui fait les Jeux Olympiques. Elle a perdu au premier tour au jeu, elle s'est sortie l'épaule dans son match. La lutte, c'est quitte ou double. Hein. C'est soit on déteste, soit on adore. Il n'y a pas de demi-mesure. Et moi, j'ai tout de suite adoré. Le corps à corps et le contact, ça ne convient pas à tout le monde, mais à ceux à qui ça convient, franchement, on y prend. Ben, j'en ai fait mon métier aujourd'hui, ma vie, quoi. Tous les lundis matin, c'est un peu dur. Si on n'a rien fait du week-end, on s'est reposé, qu'on n'a pas fait d'activité, c'est dur de se mettre dedans. Mais là, ça va, c'est que de la technique. Donc, ça va, il n'y a pas encore trop d'intensité. Je pense qu'on va finir par 15 minutes à la fin. Mais ça va, tout va bien. Répétez ce que vous allez faire en compète. Mettez du sens dans ce que vous faites. Si aujourd'hui, je fais ici quelque chose que je ne vais pas essayer de reproduire en compète, il n'y a pas de sens, on perd notre temps. Donc là, vous devez savoir, quand je répète une action, je me la mets dans la tête et je répète que ça, dans l'objectif d'être confiant en compète et de la passer. Ok ? Donc l'objectif, c'est de chercher de l'efficacité. Et l'efficacité, c'est pas juste rentrer dans la jambe. Lui, voilà, il est un peu raide de partout, et notamment des hanches, ce qui est quand même un gros handicap en lutte. Après, je dirais que son point fort, son atout, c'est sa volonté et sa ténacité. Et voilà, c'est ce qui compense aussi, un peu les petits soucis physiques. J'ai une génétique un peu particulière, j'ai des longues jambes, du coup on peut me les attraper facilement. Et je suis assez raide et c'est très handicapant dans ce qui est défense, bah dans les blessures aussi. Des fois j'essaye de me mettre dans une position dans laquelle mon corps il n'est pas forcément apte à s'y mettre et du coup je me déchire un muscle ou je me pète un ligament. Attention le genou. Ok. Aujourd'hui, il a été médaillé européen. Chaque fois qu'il se rend sur une compète, soit il fait des podiums, ou soit quand il perd, c'est quand même très proche. Enfin, ça reste des matchs très serrés sur des adversaires qui sont quand même des adversaires de qualité et de très haut niveau. Et voilà, aujourd'hui, on peut compter en tout cas sur lui pour aller chercher de la performance. En tout cas, pour se rapprocher d'une éventuelle performance. Olympisme, c'est. Je ne saurais même pas vous le décrire tellement. J'ai fait une médaille au championnat d'Europe. Pour moi, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Alors, je ne veux même pas imaginer la sensation que je pourrais avoir si j'étais médaillé olympique.